400 frères. Ah ouais? Comment ça, Zach, il a 400 balles en dodo au casino? Chaud? Je veux me barrer du ghetto, Bali ou Miami, emmener tous mes rôles. Yo. Alors j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Alors là on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bus Simulator. Du coup je vais vous dire que dorénavant une fois par semaine, donc pas cette semaine, mais la semaine la prochaine, il y aura un let's play sur Bus Simulator. Donc, les let's play, c'est une vidéo auprès de 25 à 30 minutes. Mais je ne pense pas que je vais faire 25 à 30 minutes. Si c'est déjà un let's play de 20 minutes. Dans les 15-20 minutes, c'est déjà pas mal. Même déjà cette vidéo, elle va être un peu longue, je pense. Mais c'est surtout pour vous expliquer quelques trucs. Donc, après Fortnite, il n'y aura plus que quand je live. Donc, après les lives sur YouTube, il y aura un. Deux par mois, on n'aura plus autant parce que maintenant pour le live je vais passer sur, enfin je suis passé sur Twitch, donc ceux qui veulent me suivre, bah je mettrai le Twitch en description parce que je crois que je l'ai déjà mis mais je sais plus. J'ai déjà mis, donc vérifierai pour cette vidéo et vous l'aurez en description. En tout cas, merci à vous ceux qui me font des commentaires, qui me donnent des conseils, qui me disent merci, je vous tiens à vous remercier. Merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait extrêmement plaisir. Thank you. Et maintenant, je pense que mes vidéos seront exclusivement Beach Buggy Racing. C'est un jeu que j'aime bien. Du moderne versus combat. Sur le portable, ce sera des jeux comme la pétanque que j'ai déjà fait, du Sting Drift, des Bowling Crab. Après, il y a d'autres petits jeux que je vais pas donner de nom parce que c'est des trucs à venir, c'est pour des vidéos à venir. Même si la vidéo ne sort pas dans les jours à venir. Mais elle est déjà prévue. Donc, je ne vais pas dévoiler les jeux. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, j'ai Instagram où je vais même commencer à mettre des trucs dessus. Donc je vais commencer là plus doucement. J'ai pas encore fait. C'est pas encore fait à 100%. Mais ça va venir. Donc au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs je vais partager sur Insta, je vais partager une petite vidéo de quand je fais la vidéo.
comme ça vous serez bloqué et mon Insta. Je sais même pas comment faire. Hop. Voilà, puis la photo là. Voilà. Alors, hop. Attends que ça charge. Et je vais partager. Donc, sur mon Insta, si vous voyez une photo de quand enregistrer ma vidéo. Que vous voyez là, vous savez que c'est mon Insta. Thank you. Voilà, partager. Voilà, c'est partagé. Donc voilà, sur Insta, c'est mon premier post. Même si le site est ouvert depuis un petit moment, je l'avais pas sur le portable. Maintenant que je l'ai sur le portable, je prendrai des photos, des trucs. La plupart du temps, ce sera pour vous signaler une nouvelle vidéo sortie. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur Insta, parce que vous verrez une photo tous les jours à 18h15, 18h20 dans les zones là, que il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Voilà, je vais aussi en mettre de nouveau quelques vidéos que j'ai faites sur Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter. En tout cas, je vous remercie énormément à vous tous. Et n'hésitez pas, samedi, il y a un match de foot. Il y aura une vidéo sur FIFA, donc match de foot. Après, moi, je joue sur FIFA 18. Oui, on a le FIFA 19 et le FIFA 20. Mais je sais pas, il y a un truc sur FIFA 18. Comme je connais la compo de l'équipe de France quand ils ont joué en coupe pour la Coupe du Monde, du coup je joue avec pas tous de la compo, mais la plupart, comme Paul Pogba, Mbappé et des trucs comme ça, je les connais. Après, vous demandez. Normalement, censé connaître mon chat. Non, sur le foot, moi je connais rien du tout. Si vous voulez des renseignements sur le foot, allez checker la chaîne de ENN White Knight. Il fait des let's play sur des matchs au foot. Et posez-lui des questions, comme par exemple, connais-tu. Telle et telle personne dans quel club il joue, et je pense qu'il vous répondra. En tout cas, lui, c'est quelqu'un qui est fan de foot. Moi, je joue à FIFA, mais je suis pas une grande, comment on appelle ça, une grande fan de foot. Du coup, voilà. Donc vous aurez des vidéos différentes. Tant en temps, il y aura une vidéo qui est sortie, soit sur du slime, recette sur du slime, soit une vraie recette avec des patates ou des trucs comme ça. Et puis voilà. Je pense que pour les recettes,
il y aura une vidéo deux par jour, par mois, une ou deux vidéos par mois, ça aura déjà pas mal. Et puis mon problème qu'il y a, c'est que je voulais venir sur par contre le problème qu'il y a, c'est que je sais pas si j'ai perdu la volonté, parce que en solo tu peux plus jouer, en duo tu peux plus jouer, en section tu peux plus jouer, les gens sont focus, sont trop en foire d'empoigne, c'est surtout pour ma Amigo et mon IM. Avant de lancer un arène ou un truc comme ça, quand tu es en live, je lance d'abord 2-3 games de foire d'empoigne. Ça m'aide à retrouver mon ami, surtout quand tu joues pas pendant 2 jours. Après des fois je suis meilleur quand je ne joue pas pendant 2-3 jours, quand je joue tous les jours. Je sais pas si c'est normal ou pas, c'est le seul petit jeu qui me fait ça. Donc l'arène solo, je sais pas, ça me plaît plus trop. La trio, j'ai pas de trio pour l'instant. Comme mon frère et mon copain, où je fais de la partie de la team, sont à l'école, donc du coup c'est compliqué. Après le week-end c'est moi qui travaille, donc c'est encore compliqué, on joue pas tellement souvent. Là on joue souvent ensemble, c'est pendant les vacances, mais c'est rare que avec la team, quand ils sont à l'école, on joue ensemble. C'est des fois quasi impossible. Donc pour la trio, pour l'instant, ben, j'en ai pas. Voilà. Et après, mon frère, il est parti chaud pour faire de l'arène. En tout cas, je pense qu'il doit plus rester grand chose. Pour l'instant, comme nous sommes à l'école, j'ai pas de trio. Je pense je trouve que le jeu est un peu lourd. En plus de ça, il n'y a plus de blind test qui sort. Moi, je fais de temps en temps un petit blind test. Et comme il n'y en a plus qui sort, ben. C'est impossible d'en faire. En tout cas, ben voilà. Et ouais, je pense que la chaîne va se transformer en plus à avoir des vidéos comme multiplier racines. Et après d'autres jeux, je vais pas dire le nom. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, même si je pars. Je pense qu'il ne doit plus rester grand chose. Donc c'était pour vous dire ça. J'espère que cette vidéo n'aura pas de toute façon, je vous dirai, n'aura pas eu de bug de cette sortie de samedi. Il reste grand chose. Mais j'espère qu'il n'y aura pas ces bugs. En tout cas, si elle n'a pas de bugs, c'est que vous la voyez. J'entends parce que c'est un peu pénible.
quand tu fais quelque chose que la vidéo vous aura plu, et qu'on entend du bruit comme ça, comme moi j'entends, c'est des fois moi je vous à la prochaine. Une là, prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à liker. Enfin, j'ai envie de péter plan. Surtout à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Surtout qu'il y a une vidéo par jour qui sort, sauf le dimanche où il y en a trois. Donc toute la semaine c'est 18h15. 18h15 et le reste de la semaine dimanche c'est 10h15, 14h15 et 18h15. Donc en gros tous les jours 18h15 et le dimanche 18h15 et à 10h15 et à 14h15. Donc sur ce, je vous écoute bien. Ciao ciao. N'hésitez vraiment pas à partager, liker et à vous abonner. C'était vrai. Ciao ciao. Bon ben j'espère que c'était vite bien pour vous, tout bien pour vous, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Audrey, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à liker. Ciao. Alors SMR, oh, t'es où gros ce fond là? Ça fait des heures que je te cherche. Si je t'attrape, oh, tu vas manger mon billet, sale folle. C'est bon ?